Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je rejoins Thibaut et on va échanger nos appareils photo. T'es prêt? Ouais. C'est parti. On s'est rencontré avec Thibaut Lorenz au workshop Street Candy que j'avais organisé. Il faisait partie des participants du workshop et on a discuté photographie, on a discuté appareil photo et comment il a obtenu son Leica M6. J'avais jamais eu de Leica entre les mains. Thibaut voulait tester le moyen format, donc on s'est dit qu'on s'échangerait nos boîtiers. Je lui prête mon Mamiya M645 et lui me prête son Leica M6. Est-ce que tu as déjà shooté en moyen format, Thibaut, toi ? J'ai déjà fait celui du Diana F+. Ouais, ça compte, d'accord. Il y a longtemps. Ça compte. Ça compte, le Diana F+, ça compte, mais voilà. Donc c'est du 6 par 4,5, ouais. Donc c'est pas du carré. Bon, bah là, tu as ton optique, là, tu as ta chambre. Et contrairement au Hasselblad, t'as pas un magasin à l'arrière. Et ici, tu as ton viseur, là, il y a le viseur avec une cellule. En gros, bon, bah ton ouverture, elle est là. De 1,9 à 22. Ouais. Sur un 9, ouais, celui-là il est pas mal. Ici c'est la vitesse sur le boîtier là. Donc si tu utilises pas la cellule, tu fais ta vitesse là. Ouais, après la vitesse. Mais si tu utilises ta cellule, faut être sur le rond. D'accord. Rouge. Et là après ta vitesse, tu la cales là. D'accord. Dans le viseur, normalement, tu vois une petite barre rouge. Ouais. Voilà. Et en fait, faut qu'elle soit verte pour être bien exposée. D'accord. Donc tu tournes ta vitesse ou ton ouverture en fonction pour pouvoir être bien exposé. Ah, je vois, c'est bon. Tu vois, donc ouais. Là si t'es vert, c'est que t'es bien exposé. Petit bouton. Voilà, c'est ce petit bouton-là qui active la cellule. D'accord. Okay. Après, là, tu vois, tu es en train de descendre parce que tu es ouvert à F8, tu vois, et on est dans un endroit à l'ombre. Donc, du coup, admettons que tu es un F9, là, tu es à un quart, donc c'est peut-être un peu lent. 60, donc, 60 et encore, là, et il est à 200. C'est à 200, mais on est vraiment à l'ombre, là, c'est pour ça que ça descend vite. Pour charger, tu tournes ici, donc tu as la molette là, clac. Ça s'arrêtera quand ce sera. Là, il n'y a pas de pellicule. Donc ça s'arrêtera et. Ça s'arrête et pour déclencher, c'est devant ou ici. D'accord. Au choix. Ouais, c'est sympa. Je t'ai ramené une T-Max 100 qui est périmée de février 1998. Mais elle fonctionne très bien. Moi, j'ai shooté avec. Okay. Et alors, pour charger, c'est à l'arrière. Et là, tu as ça. Super, j'ai la alors, dans le moyen format, tu as déjà fait avec le Diana. Tu as toujours un rouleau vide que tu mets de l'autre côté. A priori, il faut mettre ton rouleau et le dérouler pour que le côté film soit par face, là. Ouais. Parce que sinon. Tu shootes le papier. Tac, et là, tu mets dans la fente, l'amorce. Alors là. Tu t'alignes, en fait, tu vois, sur le devant. Stop. Tac. Voilà, ici, en fait, par rapport à là. Ok. Tu as ton start là et ta flèche. Ah, et après, tu le remets dans l'arrière, avec dans le sens du 120. Nickel. Et tu refermes en appuyant des deux côtés là. Ici, là. Pour être sûr que ça s'implante bien. Et là, tu tournes ta manivelle jusqu'au bout. Tu peux y aller, ça rattrape tout seul. Il y a un arrêt, c'est pas comme le Diana où tu es obligé de regarder la vue. Hein. D'accord, ouais. Hop. Et là c'est bloqué. Bon. Là, je suis bloqué. Et tu peux shooter. Tu as l'objectif, ouais. L'ouverture, la mise au point avec la petite aide en bas. Oh yes, nice. Voilà. Cool. Mais parce que comme c'est pas une visée réflexe, tu es obligé de faire ta mise au point un peu au jugé. Un peu au jugé. Après, dedans, c'est assez précis quand même. Je te laisse regarder dedans. Tu as le cadre. Ouais. Donc là, c'est la frame de ton 35 mm. Ouais. Avec au milieu un petit patch. D'accord. Et pour faire la mise au point, il va falloir que tu alignes. D'accord, dans le patch. Dans le patch, voilà, la seconde image. Là, tu dois être à l'infini, donc tu vas être au bout. Voilà. Ah ouais, d'accord, attends. Si tu te rapproches. Oh là là, ah, c'est galère, attends. Parce que je vois un truc qui bouge, mais j'arrive pas à savoir c'est alors, quoi. Alors, le mieux pour commencer, c'est de te mettre sur une zone peut-être contrastée, tu vois, genre peut-être au premier plan. Là. Alors là, si on fait un peu de photo de rue, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à F8 ou F11. Ouais. Et je me mets là, donc. Entre 1,5 et 2 mètres. Et 3, 4 ou 5 par là. T'es à peu près sûr que t'es net quoi. Ouais, voilà, je suis sûr que je suis à peu près net. Et si j'ai quelque chose d'intéressant qui se passe proche de moi, je vais très vite ramener comme ça. D'accord. Et si je prends une photo à l'infini, je vais très vite. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Okay. Le Leica M6, lui, il a une cellule. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour. Déjà, elle se déclenche que quand l'appareil est chargé. Et il faut juste appuyer.
Un demi Ouais, un demi. Et là, elle va se jouer pendant, je crois, 5 ou 10 secondes. Ok. Et donc, tu veux voir à l'intérieur. Ouais. Tu vas avoir en fait un système de flèches. Ouais. Tu vas avoir une flèche soit qui pointe vers la droite, soit qui pointe vers la gauche. Et le but, c'est d'allumer aucune un petit rond rouge au milieu. Là, le rond rouge, il est toujours là. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Petit tips, vas-y. Les flèches sont dans le sens de la molette de vitesse en haut. Donc si t'as une, si t'as une flèche qui pointe vers la droite, tu sais qu'il faut que tu tires la molette sur ta droite. Ok, d'accord. Le réglage des ISO, c'est sur le dos de l'appareil. Ok, c'est ici. Ouais, c'est là. Donc il faut juste appuyer, voilà. Ouais, et la tourner. Moi j'ai de la Portra et de la FP5. Vas-y, je veux bien tester la Portra. Enfin, Portra 400. Tester la Portra, genre. Genre, je sais pas ce que c'est une Portra. C'est toujours le dos. De l'appareil. Ouais. Donc en fait, comme ça. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est ouais. Vrai que. Voilà, tu tires, là tu fais un demi-tour, et là tu tires et tu vas récupérer. What? Là, ce sera plus facile si tu laisses le dos s'ouvrir, voilà, comme ça tu vois un peu. Non! Du coup, là, faut que je sorte ça. Voilà, exactement, tu tires, tu le mets jusqu'au milieu, comme c'est indiqué sur le petit dessin, là, voilà. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon, là, je l'ai même dépassé. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est bien. Tu la repousses bien au bout, là, tu vérifies. Que t'es bien encranqué dans les petites charges. Voilà. Ok. Tac, tu déclenches. Tu peux en faire un deuxième au cas où, mais. La fin. Voilà, tu vois, là c'est bon, t'es dedans. Et il n'y a plus qu'à. Waouh. Dans, ouais, tu mets. Voilà, t'encranques d'abord là-haut en bas. Ah oui, d'accord. Il est dedans, ce côté-là. Oh. Tu vois, il va s'aligner sur 0 quand t'es prêt à ajouter. D'accord. Ok, là je suis sur 0. C'est bon. C'est difficile de savoir si je fais des photos vraiment. Les trois quarts du temps, je crois que j'oublie de faire le point. Et en plus, enfin, je sais pas, c'est très très étrange. Je crois que je prends des photos que je prendrais pas avec un autre appareil. Des premières impressions sur le moyen format. Alors, le moyen format, c'est quand même galère. Hein. En fait, le M6, je suis en terrain inconnu. Je vais vite. Là, il faut vraiment ralentir. Ouais. Et surtout à mon avis avec ce viseur. Ouais, t'as eu du mal à mettre le... Ouais, ça c'est vraiment... une fois à l'intérieur, on veut... En fait, ce qu'on voit dedans, quand on veut recomposer à droite, en fait, il faut aller vers la gauche. Et du coup, en fait, après, je me disais, fie-toi à ce que t'as vu. Regarde pas trop là-dedans, fie-toi à ce que t'as vu. Ton sujet est en train de partir par là, comment c'est pas ça ? Moi, le Leica, si j'en ai jamais eu dans les mains, c'est parce que j'avais pas les moyens et que je connaissais personne qui en avait. Celui-là, en fait, j'avais déjà un appareil, un Olympus 35 SP. C'est le même système, un appareil à visée télémétrique qui est bien moins onéreux que le Leica. Ouais. J'avais des appareils photo numériques, des Fujifilm, okay. Un X-Pro 2 et quelques optiques, 2-3 optiques. Et en rentrant dans un magasin de photos, d'appareils photo d'occasion, j'ai vu donc ce Leica. Le mec m'a dit qu'en gros, si je lui laissais le X-Pro 2 et les 3 optiques, je pouvais repartir, ça ferait le prix du Leica et de l'objectif. D'accord. Et en fait, t'as laissé tout ton matos numérique pour prendre un Leica argentique. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais à fond argentique maintenant. Ah ouais, ouais. C'est une possibilité, mais là c'était un magasin, lui qui rachetait de l'occasion. Qui rachetait de l'occasion, ouais. Du coup, ça t'a fait de l'échange, quoi. Ça m'a fait de l'échange. Alors toi, du coup, le Leica, qu'est-ce que t'en as pensé ? Le Leica, c'était pas simple. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est de prendre en main les réglages au niveau de l'optique, savoir où est-ce que tu mets tes mains. Ouais, parce que c'est quand même une vachement plus petite optique que les réflexes que j'ai. Surtout, le plus difficile, ça a été la mise au point parce que cette espèce de petit rectangle au centre, déjà, il est minuscule ce rectangle, donc du coup, je trouve que c'est difficile de faire la mise au point avec. Et la sensation du déclencheur, malgré tout, ça joue.
parce que j'ai vraiment pas beaucoup l'impression d'avoir pris des photos. Ouais, c'est vrai que c'est très léger. Comme c'est très léger, il y a un truc où voilà. Mais non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi ça m'a fait exactement pareil pour la mise au point, alors que enfin ouais, c'est vraiment l'habitude peut-être. Ouais. Ben moi j'étais en train de chercher mon petit rectangle, tu vois. et j'étais là en train de tourner et te dire mais merde, il est où ouais. Ouais, ouais. Et ouais, finalement en fait, on a tellement l'habitude de shooter avec nos boîtiers ouais, que de shooter avec un nouveau boîtier, ça pousse à se poser un peu plus. Bon, je démarre quand même vachement vite. Moi, je fais vachement vite des photos et puis après sur la deuxième pellicule que j'ai faite, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire des photos. Mais c'est vrai que ça pousse à utiliser les choses différemment, ça sort des zones de confort et c'est assez agréable pour ça en fait. Une des raisons de faire de la photographie argentique et de faire de la photographie, c'est de rencontrer d'autres passionnés et d'échanger avec eux. Il y a certains boîtiers en argentique qui sont difficiles d'accès, comme le Leica M6 et comme le Mamiya M645. Et fréquenter d'autres photographes, c'est l'occasion pour vous d'échanger vos appareils. Nous, ça nous a poussé à changer de perspective et on a appris l'un de l'autre. Parce que on peut connaître plein de choses sur la photographie. Il y a une chose dont on est expert, c'est le boîtier qu'on utilise tous les jours. Et finalement, Thibaut m'a beaucoup appris en photographie grâce à son expertise du Leica. Et moi, je lui ai appris grâce à mon expertise sur le Mamiya M645. J'ai shooté deux pellicules, une Portra 400 et une Kodak E100G qui était périmée et que j'ai demandé en traitement croisé. Thibaut avait deux optiques, un 35 mm et un 21 mm. Et j'ai pu tester les deux et je suis assez content du résultat. Alors, si jamais vous voulez vous faire une session photo où on échange nos boîtiers, vous m'envoyez un DM sur Instagram ou sur Twitter. On en discute, on essaye de s'organiser ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver les photographies de Thibaut sur Instagram. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao !